L'Angleterre médiévale. C'est le début du règne d'Édouard Ier. Le pays est en proie à des troubles profonds. Les énormes châteaux fortifiés, édifiés en ces temps incertains, démontrent l'importance des antagonismes qui précisément ont rendu nécessaire leur construction. Plus de deux siècles ont passé depuis les conquêtes normandes qui ont apporté un sang nouveau à ce qui sera un jour la nation britannique. Toutefois, l'animosité entre les conquérants normands et les Saxons vaincus est loin d'être terminée. Elle a divisé les seigneurs voisins des châteaux de Buller et de Gurney bien davantage que les quelques kilomètres qui les séparent. C'est alors que cette histoire commence, à la mort de Ralph, comte de Lesford. Halte là, que voulez-vous? Je souhaite voir le conseiller du comte. Et quel est votre nom, je vous prie? Je m'appelle Walter de Gurney. Oui, c'est vrai, vous lui ressemblez étonnamment. Moi qui ai connu votre père, je peux vous dire que c'était un brave. Mieux vaut ne pas rester ici. On n'est guère accueillant pour les Saxons depuis qu'il est mort. Voir Siméon Bautry, l'homme de loi du comte. Ah, c'est donc le jeune homme d'Oxford. Tenez, je vais vous conduire. Merci. Walter, mon garçon. Siméon, je suis heureux de vous revoir. Moi aussi. Ah, tu as grandi, dis-moi. Et ton grand-père, se porte-t-il bien? Ma foi, à dire vrai, je suis venu directement ici, car j'ai craint de ne pas avoir la permission de venir. Mon grand-père me considère comme un ennemi. Il est tard, il faut te nourrir. Allez, assieds-toi. Je vais te servir un encas. Mes maîtres m'ont enseigné bien des choses. Je sais lire aussi bien que vous, Siméon Bautry. Écrire aussi? Oui, j'ai appris également le latin et un peu de grec. Et le français, évidemment. Oui. Encore que ce serait plutôt à eux d'apprendre notre langue. Oui, deux siècles ont passé depuis qu'ils nous ont envahis et que leur course... Tout doux, Walter. Cette demeure est normande désormais. Tiens-tu à avoir la tête tranchée? Siméon, dis-moi, pourquoi tenais-tu à me voir? La raison en est simple. Tu es sur le testament. Vraiment? Il m'a reconnu comme son fils? Oui, il dit que tu es son fils. J'en étais sûr. Pourtant, ne te fais pas trop d'illusions. Dis-moi, tu connaissais bien mon père. Il a aimé ma mère, c'est certain. Plus que la Normande qu'il a fini par épouser. Il m'a aimé aussi. J'en suis sûr. Je le revois très bien. J'étais petit et j'admirais une paire de bottes noires qu'il portait, avec des éperons représentant des léopards. Il disait, tu en auras une pareille puisque tu l'aimes. Je ne l'ai pas eue, non, mais... C'est ce qu'il avait dit. On ne l'a pas laissé faire comme il voulait. Il avait des projets très différents, n'est-ce pas? Ton père, Walter, fut intrépide et il avait une âme d'une grande noblesse. Nul ne peut le nier. Oui. Je crois en son amour pour ta mère. Et tu es le fils qu'il a voulu. Mais je crains qu'il ne te fasse plus de mal que de bien avec ce testament. Ici, il n'y a plus que haine envers les Saxons depuis... qu'ils ont fait serment d'allégeance envers ton père et que sa femme normande l'a su. Du reste, elle en a déjà fait arrêter plusieurs qu'elle garde en otage. Aussi dois-je veiller à modérer ton emportement juvénile. Pouvons-nous commencer? Oui. Lisez. Nous allons procéder à présent à la lecture des volontés testamentaires de Ralph, comte de Lesford et lord de Buller, lequel confie son âme à l'indulgence de notre Seigneur Tout-Puissant et à tous les saints, et demande que sa dépouille repose dans la chapelle du château. En outre, il désire que tous ses biens, ses terres
et ses revenus qui lui ont été transmis en héritage reviennent en totalité, sans exception, à Éléonore, son épouse, et à Edmond, son fils légitime. En outre, il demande que soit reconnue l'existence de son deuxième fils, simple enfant naturel du nom de Walter de Gurney, auquel il portait une grande affection. Et au dit Walter de Gurney devra revenir sa paire de bottes avec des éperons représentant des léopards. Ensuite, et c'est là un point capital, il veut que ce fils consacre sa vie au service de notre roi, espérant que le dit fils saura servir dignement sa majesté. En outre, il lègue à l'autel de la chapelle de Buller le calice... Nous en avons donc fini en ce qui concerne ce bâtard. Qu'on lui donne son dû et qu'il parte. Pas question. Est-il dit que je doive me traîner à genoux pour obéir à la domination normande? Modérez votre langue saxonne. Je refuse d'obéir au testament. Je suis né et demeure saxon. Je ne me mettrai pas au service du tyran normand Édouard. C'est une trahison. Puissiez-vous être pendu, Walter de Gurney. Pas si vite, noble dame de l'essor. Cette maison offrira-t-elle l'hospitalité à un voyageur qui est venu au monde ici? Oh, monsieur Walter. Je suis très content de te revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez, entrez. Vous voilà de retour. J'avais espéré que vous viendriez. Le souper est bien chaud. Et comment avais-tu deviné que je viendrais? Nous avons un visiteur qui avait prévu votre venue. De qui s'agit-il? Bacon, le frère Roger Bacon. Oh, frère Bacon, un professeur à moi, je serais heureux de le voir. Je vais le lui dire, monsieur Walter. Will. Qu'a-t-il dit en apprenant que j'avais quitté Oxford? Mon grand-père, naturellement. Vous le connaissez, monsieur Walter. Il n'a rien dit, non, rien du tout. Et sa santé? Vous avez vu le cuivre empilé dans le fossé, là-bas? Ah oui, je l'ai vu et ça m'a intrigué. Nous faisons du commerce, armure et cochon. Vous vous rendez compte, votre grand-père, vraiment, on aura tout vu. Et sans en rien dire, bien sûr, comme tout ce qu'il fait. Et un beau matin, adieu, plus de chevaux et des porcs à la place, après le cuivre. Et quand on a demandé où diable il fallait le mettre, il a dit « mettez-le empilé devant la porte d'entrée ». Bien sûr, personne n'a compris. Mais moi, oui, j'ai compris. S'il faut faire du commerce, le mieux est de le faire savoir à tout un chacun. Si c'est le prix à payer, payons-le. Seulement, quand il passe par là, il n'ose regarder ni à droite, ni à gauche. Je vais chercher frère Bacon, messire Walter. Je suppose que cette réception ne m'est pas destinée. Oh, frère Bacon. Excusez-moi, je jouais. Quand j'étais enfant, j'utilisais cette épée pour voir si j'étais suffisamment fort pour pouvoir la porter. Ah, ça, tu étais moins empressé pour supporter le poids de tes livres. Et tu les as délaissés assez rapidement. Et le testament qu'a laissé ton père? Es-tu satisfait, finalement? Non. Vas-tu revenir avec moi, alors? Je ne sais pas. Comme tu voudras. Nous pourrons en parler plus tard, demander l'avis de ton grand-père. Ah non, je m'en passerai.
Pourquoi ? Voyez-vous, mon grand-père et moi, nous parlons toujours par intermédiaire. Ça rend, j'avoue, les discussions difficiles. Sans parler directement ? Généralement, c'est notre vieux Wilderkin. Mais étant donné qu'aujourd'hui vous vous trouvez là, vous serez peut-être l'intermédiaire. Je crois que j'ai autre chose à vous dire. Wilderkin, le souper est-il prêt ? Notre hôte est-il arrivé ? Oui, Milord. Wilderkin, veuillez dire, s'il vous plaît, à mon petit-fils combien je suis heureux de constater qu'il est devenu un homme. Milord me demande de vous dire... Veuillez dire à mon grand-père que je suis ravi de le retrouver et que j'espère être désormais de taille à pouvoir lui être utile. Milord, Monsieur Walter... Bien parlé, Wilderkin, bien parlé. Et notre hôte, bienvenue à notre table, frère Bacon. Merci, Milord. Du porc. Hein. Ben, il y a mieux, certes, lorsqu'on a un invité, mais c'est nourrissant et facile à faire. Ah, Wilderkin, demandez à mon petit-fils ce que le commerce que j'ai instauré lui inspire, à lui qui en est averti. Milord désire... Dites à mon grand-père, Wilderkin, que l'attitude qu'il a adoptée est aussi courageuse que judicieuse. Ah, fort bien dit encore, Wilderkin. Bien, eh bien, mangeons, puisque ça facilite la conversation. Les Normands nous ont au moins laissé ça. Une paire de bottes. Et le privilège de passer au service d'un roi normand. Demandez-lui si ce sont là toutes ses espérances. Milord dit... Dites à mon grand-père que j'attendais beaucoup mieux afin de pouvoir aider Gurney. Veuillez lui dire qu'il avait bien tort d'y croire. Que le mieux qu'il puisse faire pour Gurney est d'étudier, afin d'être un homme plus valable que son père ne le fut. Dites aussi à mon grand-père que je n'ai pas l'intention de faire d'autres études. Que je pense que ma place est ici, pour le bien de Gurney, s'il veut le conserver. Demandez à mon petit-fils ce qui l'autorise à traiter de cette affaire et qui, d'après lui, est le meilleur juge afin de lutter dans nos terres contre l'arrogance des Normands. Dites demandez à également homme, à mon grand-père si... Demandez-lui aussi... Milord, permettez-moi un mot. Du côté de qui êtes-vous ? Oh, ni l'un ni l'autre, Milord. À vous de juger, frère. Mais si vous hésitez à être à mes côtés, j'accorderai bien peu de crédit au fait que vous soyez mon hôte. Je suis venu ici, Milord, dans le souci, moi aussi, de discuter du retour de Walter à Oxford. J'ai eu bien peu d'élèves qui aient autant de disposition que votre petit-fils. J'éprouverai, je vous l'assure, une immense peine s'il abandonne ses études. Mais est-ce bien utile ? Peut-on combattre les Normands avec de simples diplômes ? Walter, avoir 20 ans et être aussi brillant me paraît décisif. Il serait dommage de ne pas continuer vos études, c'est pourquoi j'insiste. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qui êtes-vous ? C'est l'héritier du vieux lord. Mais c'est un noble. C'est dangereux. Triss. Triss Griffin, tu n'es pas un voleur, qu'est-ce que tu fais ici ? Laissez cet homme, c'est un Saxon. Triss, nous avons souvent joué ici, enfant. Je te connais. Et toi aussi, Dicken. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est une méchante histoire. Pour nous, au château, ça allait bien quand ton père était en vie. Maintenant, la Normande a fait prisonnier 12 Saxons qu'elle retient en otage dans les donjons. Oui, je sais. Mais nous allons les délivrer. À Buller ? Seul ? Oui, tu en doutes, car tu ne connais pas ceci. C'est la meilleure des armes. Non, 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 Triss, pas contre de tels murs. Bien sûr, il préfère être avec les autres. Avec les Normands ? Non, jamais, quoi qu'il arrive. Qui est votre chef ? Ben, c'est moi, enfin, si on peut dire. Nous le sommes tous. Ma foi, il y a peut-être une chance si vous réussissez à y entrer. Quel est ton plan ? Pour ce qui est du plan, je n'en ai aucun. Moi, je peux peut-être t'aider. Et pourquoi est-ce que tu le ferais, Walter ? Laisse-moi faire. Avec quelques hommes, on va entrer par la petite grille. Je connais le signal. Il faut réussir à baisser le pont-levis de l'intérieur. On aura peut-être une chance, alors. Si on échoue, vous serez toujours à l'extérieur et vous pourrez me punir si je vous ai trahi. D'accord, viens avec nous. Dépêchons-nous, allons-y.
qui va là ? Qui va là ? On a de la chance. Disons que toi, tu en as. Un geste. Tout homme qui passera la porte sera rappelé à l'ordre par une flèche. Comme ceci. Que tous les hommes à l'intérieur jettent leurs armes, tous, un par un. Écoutez-moi. Qui que vous soyez, veuillez vous disperser. Si vous avez une plainte, il convient de la formuler clairement. Nous allons le faire. Vous avez 5 minutes pour libérer les prisonniers. À chaque minute de plus, nous pendrons un des gardes que nous détenons. Restez là. Bien. Voilà résolu ton problème. Ce Normand ne me semble pas d'un tempérament particulièrement belliqueux. Nous allons résoudre mon problème maintenant. Les prisonniers vont être libérés. Dictée à Siméon Bautry pendant une nuit de veille à Bulaire. À mon fils Walter. J'ai fait remettre des écus d'or pour toi chez Jarris à l'enseigne de sa boutique de Londres. Je n'ai pu le faire ouvertement, car cela t'aurait valu des ennuis. Quant à ma demande de t'enrôler au service de notre roi, je l'ai faite dans l'espoir qu'elle te permettrait, en servant notre Angleterre, ô combien déchirée, de te faire le nom et le titre nobiliaire que je n'ai su te donner. Que Dieu veille sur toi. Je regrette de tout mon cœur la peine que j'ai pu te causer. Ton père affectionné, Rolf de Bulaire. C'est bien que tu aies pu récupérer les bottes. Dites à mon grand-père que s'il me trouve ici, Gurney en souffrira. Demandez à mon petit-fils depuis quand les hommes de chez moi se sauvent devant les Normands. Dites à mon grand-père qu'en l'occurrence, nous n'avons pas le choix. Ils ont gagné, les Normands ont gagné. Bulaire est à eux, et Gurney le sera également. C'est leur Angleterre et non la nôtre. Aussi, dites à mon grand-père que je quitte cette Angleterre perdue pour moi. Mais Sir Walter dit... Demandez donc à mon petit-fils où il espère être en accord avec lui-même, alors qu'il ne fait que fuir ses obligations. Dites à mon grand-père que je trouverai. Et que plus ce sera loin, mieux cela vaudra. Au Cathay, peut-être.
Dites-lui que si je réussis à réunir assez d'or pour acheter les terres nécessaires ici, je promets de revenir. Mais en attendant, je pars et leur laisse mon Angleterre. Je refuse de fouler un sol qu'ils m'ont sali. Nos hôtes, Wilderkin, partent pour un fort long voyage. Faites le maximum pour les y aider. Oui, Milord. Vite, le soleil ne va pas tarder à se lever. Oui, c'est vrai, les chiens vont bientôt être à nos trousses. Monsieur Walter, il a dit que je vous donne tout ce qui vous est nécessaire. Et il a dit que je vous remette cette coupe de grande valeur. C'est la dernière. Ouais, dis-lui combien je le remercie. Remets-la en place, j'espère la remplir d'or un jour. Merci, Wilderkin, veille sur lui. Bonne chance, Monsieur Walter. Voilà. Est-ce la fin ou bien le début d'autre chose? Je l'ignore. J'espère qu'on dort bien dans ta forêt. Walter, j'ai réfléchi, tu sais. Oui? Je voudrais partir avec toi. Au Cathé? Oui. Mais où est-ce? C'est très loin de ta forêt. C'est possible, mais mon arc est d'accord. Mais tu dois encore réfléchir. En fait, si nous allons là-bas, nous avons surtout des chances d'être pendus à un gibet. C'est ce qu'on a vu de mieux. Oui, pour l'instant. Mais qu'est-ce que c'est que... Les croisades sont responsables si ces gens n'aiment guère les chrétiens. Nous ne leur voulons aucun mal, nous cherchons simplement la plus grosse caravane pour aller le plus loin possible. Ils ont plutôt l'air mal disposés. Bonjour à vous. Est-ce bien vous le maître des lieux? Non, le propriétaire de la maison. C'est l'aimable, gracieux et généreux Anthenius d'Antioche, mon cher maître vénéré. Voudriez-vous lui dire que deux voyageurs demandent à le voir? Mon très cher maître ne s'occupe en personne que des affaires importantes. Puis-je, moi, qui le sers avec tout mon... Non, après un fort long voyage, nous le verrons en personne. Ah, c'est vraiment difficile. On ne peut déranger mon maître sans raison. Le risque est trop grand. Je suppose que le risque paraît moins grand. Je vais prévenir mon très cher maître. Bonjour. Vous n'êtes guère important, selon moi. Apprenez que la moindre minute de ma longue vie doit apporter un profit. Non, je serai bref, il s'agirait seulement de trouver une caravane allant vers l'est. Quel pays? Oh, c'est sans importance. Le Cathé, peut-être? Oui, j'ai bien une caravane qui partira en direction du Cathé. Une caravane pleine de présents que j'expédie au Kublai Khan. Mais j'ai entendu dire que les petites caravanes souvent disparaissaient pendant les voyages. Petites? Moi, ça ne risque pas. Quand on envoie des présents au Kublai Khan, il exige toujours 9 fois 9 de chaque chose. Soieries, bijoux, femmes... J'ai trouvé 80 des femmes les plus belles de cette île. Et puisque tout est pour le camp, tout voyagera avec la protection de notre armée. Il y aura le général Bayan lui-même. Bayan, celui qui voit tout. Cela vous suffit-il, étranger? Une caravane pleine de présents, c'est étrange. Ça n'a rien d'étrange. Sachez que le camp vient de déclarer la guerre à la Chine. Le Cathé, comme vous l'appelez. Il va confisquer tous les biens du plus vieux et plus riche pays, avec mon aide, bien sûr. Je vais lui permettre
d'être le souverain le plus riche du monde, et moi, je serai le plus riche marchand du monde. Eh bien, jeune voyageur, êtes-vous prêt à payer pour être admis en telle compagnie ? En fait, nous pensions offrir nos services en tant que gardes pour cette caravane. Des gardes chrétiens ? Non, merci, on serait attaqués. N'avez-vous rien d'autre à offrir ? Vous me paraissez bien misérable. Tu vas les fouiller. S'ils n'ont rien de valeur, tranche-leur la tête. On en fera des coussins pour nous dédommager. Mes chers maîtres, c'est fait. Je les ai fouillés. C'est la seule chose de valeur. C'est pour toi, évidemment. C'est un bien maigre profit. Mais cela suffira à mon honneur. Mets-les à la porte. Tout de suite, maître. Suivez-moi. Mais quel est votre but ? Pourquoi ce stratagème ? On m'a surnommé la pie qui prend dans chaque nid, parce qu'on dit que je suis le roi des voleurs. Très, très exagéré, puisqu'il est certain que dans ma position, je dois me contenter de moins gros profits que mon très cher maître. Je pars avec sa caravane, c'est mon rôle. Peut-être que je consentirai à vous emmener et à vous fournir l'équipement nécessaire. Ça va dépendre. Combien d'or avez-vous sur vous ? Assez peu, hélas. Et tout ça ne nous incite pas à une confiance excessive, reconnaissez-le. Qui est ce baillant, ce général ? Celui qui voit toujours tout. Oh, il est l'honneur des soldats du monde. Le grand Khan l'a du reste emprunté aux Perses pour se battre contre la Chine. Il est appelé à devenir le maître du monde. Très bien. Et où campe-t-il ? À 3 jours de marche. Il est avec son armée. Voilà. Voyez ? Avec quelle générosité je vous prête. C'est pour vous. Pour le voyage. Celui-là s'appelle Chanteur, parce qu'il pousse d'horribles cris sans raison. L'autre préfère mordre et donne des ruades. Allez vous reposer, mais attention, votre tante prend l'eau par endroits. Mais pour des chrétiens, ça devrait suffire. Le serviteur est très bien, prêt à tout pour vous. Je suis Mahmoud. Voilà. Adieu et bon voyage. Tirons au sort le chanteur ou le mordeur. Pile ou face ? Face. C'est pile. Est-ce que c'est moi qui ne suis pas fait pour le chameau, ou bien est-ce lui qui n'est pas fait pour moi ? Bon, j'ai des nouvelles. J'ai parlé à la pique, il sait tout. À présent, je sais où est le grand général avec son armée. On nous a séparés afin d'éviter que les soldats ne dérangent les femmes. Et nous restons là aujourd'hui parce que le général aime le jeu et fait une sorte de tournoi. Tu as vu la bannière ? Sûrement un croisé qui l'a tué. On dit un fidèle. Pourquoi est-il puni ? C'est le chamelier. Il est venu trop près de la tente des femmes l'année dernière. Thank you.
C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. À une pareille distance, moi, j'aurais mis dans le mille. Il faut leur montrer ce que peut faire un archer anglais. Triss! Et demande ce qui se passe. Il dit qu'il peut essayer, bien sûr, mais que s'il perd, il faudra le payer, et fort cher. En fait, si jamais il perd, il lui ôtera la cervelle. Qui est-ce ? Lui, maître, c'est Bayan qui voit toujours tout. Et Triss n'a pas compris combien c'est risqué. Ça, non, t'en doutes ? Ah, tu as raison, Triss est incurable. Il n'a qu'une idée, tirer avec son arc. Dis-moi, de quoi parle-t-il ? Oh, de rien, rien du tout, du bel arc que tu as. Je vous en prie, après vous. Méfie-toi du vent, attention ! Walter, même si j'oubliais le vent, Sarah y penserait pour moi, fais-lui confiance. Joli coup. Dites, ça suffit, vos jeux d'enfants. On va passer aux choses sérieuses. Écartez-vous. Triss, il faut réussir à leur montrer que je suis imbattable. C'est tout. Triss ! Ah non, pas de folie, c'est assez loin comme ça. Non, encore plus loin. Il faut que cet homme refuse d'essayer. Alors, monsieur le Mongol, est-ce que cette distance vous convient ? Moi, je vais essayer. Triss, tu es fou, il faudrait un miracle. Si je perds, autant que je perde en beauté. Tu as réussi. Oui. Je ne voulais pas me mettre si loin, mais ce doit être Sarah qui m'a incité à le faire. Si tu avais perdu, sache que tu serais déjà mort. Pourquoi ? Oui, les ordres de Bayan en personne. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Au fond, tu as peut-être pas eu tort. Sarah ! Maître ! Bravo. Le général Bayan vous attend. Tout de suite ? Oui. Soyez prudent durant l'entretien. Laisse-moi lui parler. C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Ah, Miller. Allez, avouez, il y avait de la chance. Je veux savoir. Ah, vous avez raison, la chance a joué, Miller. Et est-il rare de faire un coup pareil ? 3 fois sur 5. On peut manier votre arc rapidement ? Il tire 3 flèches avant que la première ne touche le sol. J'interroge votre ami. Montrez ça. Je l'ai vu tirer 3 canards avec 4 flèches. C'est léger, oui, c'est très réussi. Est-ce à cause de la forme ou du bois ? Selon moi, Miller, il y a les deux. Il faut surtout bien profiter des avantages du vent. Quel est son nom ? C'est un arc long, Miller. Celui-ci, c'est Sarah. Sarah, un nom de femme troublant. Oui, Miller. Vous avez raison d'aimer Sarah et vous pouvez lui dire merci. Sans elle, vous nous auriez quittés. C'est ce que je viens de lui dire, Miller. Une flèche perce une armure ? Oui. Vous avez essayé ? Vous ? C'est de l'acier trempé, ça perce tout, n'importe quoi. Je crois que c'est la plus belle arme du monde. Elle est mon assistante fidèle, me débarrassant des adversaires avant qu'ils puissent réagir. Moi, quand j'ai Sarah, je sais que l'Angleterre est invincible, prête à lutter contre le monde. Ah, j'en déduis que vous êtes anglais. Oui, Miller. J'ai vu les Anglais à l'œuvre quand ils combattaient les Sarrasins aux croisades. Ils avaient l'air de forteresses avec des armures tellement lourdes qu'ils ne pouvaient plus remuer. Ils étaient ridicules. Mais ça se discute. «
Bonjour. Ah, c'est vous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mal? Très mal. Quoi? Cette installation. Vous êtes mal installé. Et puis vous n'avez qu'un serviteur. Et la nourriture. Il vous faut un autre boy. Et comment pouvoir l'obtenir tant que je n'ai pas d'argent? Ma foi, j'en ai un pour vous. La populace s'est opposée aux chrétiens, mais pas moi. Allez-y, parlez. Quelle est votre ruse? Les questions d'affaires importantes doivent se discuter en grand secret. J'ai un message pour vous de la part de la Rose Noire. Et qui est la Rose Noire? C'est une sœur de mon très cher maître. Ouais, grande nouvelle. Elle ne pense qu'à s'enfuir. Elle désire aller en Angleterre, où elle sait que les hommes y sont galants et que vous allez l'aider, puisque vous êtes compatriote. Ainsi, elle aurait du sang anglais. Oui, elle m'a expliqué qu'elle avait un père anglais. Il a été fait prisonnier au cours d'une croisade. Pourquoi est-elle appelée Rose Noire? C'est le nom poétique du clou de girofle, la plus précieuse des épices. C'est très louche. Une jeune fille qui avait un père anglais chez ses hérétiques. Oui, on peut douter de l'histoire. Elle dit avoir des parents à Maraga. Aussi a-t-elle manifesté le désir de s'y rendre. Oui. Et pourquoi s'est-elle adressée à vous? Ça m'attriste de voir une lady en détresse. Et elle possède un gros saphir. Mais qu'attend-elle de nous face à l'armée du général Bayan? À la pie qui prend à chaque nid, jamais ne laisse rien au hasard. J'ai mis sur pied un plan astucieux. Je me charge de tout. N'ayez pas peur. Peur? Tu sauras qu'un Anglais ne connaît pas la peur, amateur de saphir. Ah, oh, entendu. Ainsi, la Rose Noire va être rassurée. Curieux garçon. Voilà votre second serviteur. Son nom est Mohamed. Bon, très bien, laissez-le et allez-vous-en. C'est étrange, mais cette nuit, les chameaux sont entrés dans les tentes des femmes. Oui, oui, étrange. Les gardes procèdent à des recherches. La Rose Noire a disparu. Allez, sortez-la d'ici. S'il fouille notre tente et qu'il la découvre, ils nous traiteront comme le chamelier l'autre jour. Va, Mahmoud, retourne à ton travail. Oui, maître. Je ne suis pas fou, non? Hier, j'ai prétendu acheter ce serviteur pour brouiller les pistes. Et ce garçon a disparu. Et tout le monde va penser que c'est lui. Et j'ai fait mieux, puisqu'un des chameaux qui se sont sauvés était scellé. Quand ils vont les retrouver, ces chameaux, ils vont penser que la dénommée Rose Noire a été blessée en essayant de s'enfuir. C'est extrêmement simple. Bon, ça suffit. Partez tout de suite. Voulez-vous que je fasse un scandale en disant que je l'ai trouvé ici, dans votre tente? Personne ne vous croira. Avez-vous envie de finir dévoré par les vautours? Ça y est, j'ai trouvé les chameaux. Tris, nous avons à présent un second boy. Pour toi, toi tout seul, il a de beaux yeux implorants. Ils ont bien retrouvé le chameau. Ce vulgaire fils d'un horrible chamelier a voulu me frapper. Allez, calme-toi. Fais-la entrer sous la tente. Sais-tu qui elle est? Mahmoud a cogné sur une lady. Mahmoud a mérité le fouet. Non, n'en parlons plus. Tu te rends compte que nous serons tous tués si on la trouve ici? Oh, mais je tiendrai ma langue. Mahmoud mourra plutôt que... Bon, ça va. Va sous cette tente et fais comme si de rien n'était. Tu te fies à cet esclave? Il faut bien s'y fier ou lui trancher la gorge. Je suis heureuse qu'il sache. Pourquoi? Parce que j'en ai assez de porter un turban. Ainsi, je pourrai rester avec vous et mon joli rêve deviendra vrai. Écoute, Mohamed. Chung vous a dit que je suis anglaise, moi aussi, et je désire me rendre en Angleterre. Maladie, oui. Il faudra me dire plein de choses que moi j'ignore et devrai apprendre de la vie anglaise. Vous croyez que j'aimerais ce pays? Et que j'y serais heureuse? Tous les hommes sont beaux là-bas. Sont-ils aussi beaux que vous? Interroge mon ami, il est beau garçon, lui. Oh non, c'est vous le plus beau. Vous êtes magnifique. Vous
Vous êtes exactement celui que j'attendais. Écoute, Mohamed, il y a des problèmes très graves que nous allons devoir surmonter. Alors tu vas remettre le turban, boutonner ton uniforme et faire semblant d'être le boy des Anglais, c'est clair? Oui, mais... Ça suffit, tu dois obéir aux ordres qu'on te donne, c'est tout. Oui, monseigneur, mais... Alors maintenant, tais-toi. Je ne m'explique toujours pas que d'aussi jeune gaillard ait choisi pareille aventure. Pour cette jeune fille, peut-être. Qui donc, Miller? Celle qui s'appelle Sarah. Ah, il est certain que l'aventure l'enchante, oui. Je pense que la compagnie pour votre Sarah ne devrait pas tarder. J'ai fait faire des recherches afin d'avoir le bois pour mon arc, et je pense que ça vous intéressera. Regardez devant. Voyez le chariot spécial. Il a un dispositif qui permet d'affronter les intempéries sans se perdre. On peut sortir des pistes si on veut, sans danger. Et c'est fabriqué en Chine? Comment ça marche? À l'intérieur, il y a une boîte, et dedans se trouve une aiguille qui indique la direction. Mais pourquoi est-ce que l'aiguille bouge? Quel est le procédé? Ma foi, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Je fais la guerre, le reste m'importe peu. Ainsi, prenez les Indes. Moi, je compte en être le maître. Les Indes? Bon, après la Chine, j'ai prévu d'autres conquêtes. Certes, vous devez être passionné à l'idée de conquérir les Indes, mais la Chine d'abord. Ils semblent avoir cru à l'histoire du chameau. Les hommes qu'ils avaient chargés des recherches nous ont rejoints. Personne ne semble inspecter le campement. Mais où est-elle? À l'intérieur, à l'abri des regards. Mais qu'est-ce que tu fais là? Un masque qui ôte cette couleur de ma figure. Non, il n'en est pas question. Arrête! Non, c'est trop laid. Je dois être belle puisque je vais rester sous la tente avec vous. Mohamed. Myriam. Voilà. Qui t'a donné ça? C'est nécessaire. Et j'ai aussi des vêtements qui conviendront mieux au cadre. Mahmoud! Oui, maître? Est-ce que c'est toi qui as volé tout ça? Oui, c'est moi. Mahmoud se sert. Et s'il venait fouiller ici, hein? Pas de vol, compris? Mais enfin, toutes les femmes le font dans ce pays. J'ai dit pas de vol, c'est tout. Mais une femme dit à part... J'ai dit et tu dois m'obéir. Tu n'as pas à discuter. Myriam, laisse ta peau comme elle était. Retire cette crème. Non. Vas-tu obéir ou non? Oh, mais non. Je ne risque rien. S'il devait fouiller, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps, voyons. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu de pendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez la passe là-bas? Nous pourrions la prendre pour continuer, mais nous n'avons pas le temps. L'ennemi le sait. Au moindre trouble, j'ai fait faire beaucoup de prisonniers qui seront exécutés au besoin. Oui, je vois. Cela vous choque sans doute? Il faut être courtois à la guerre, n'est-ce pas? Je suppose que les peuples peuvent avoir différentes habitudes. Pas sur une si grave question, jeune homme. Non, moi, je ne crois
que ce que je touche. On conquiert ou bien on est vaincu. C'est l'un ou l'autre. Merci de me rappeler à mes devoirs. Vous êtes intelligent. Et j'aime votre façon de parler, ça mérite récompense. Nous sommes arrivés cette fois. C'est la Catay légendaire. Réfléchissez bien, mon ami, et priez de votre mieux. Mieux que jamais, oui. J'ai un nouveau plan. Voyez si vous y trouvez une faille. Pour conquérir la Chine, bien des hommes ont tenté de la conquérir, mais en vain. On dirait qu'ils enfoncent une espèce de coussin, qu'ils s'y épuisent, car nul ne peut conquérir la géographie. Occuper une région, oui, mais qu'arrive-t-il? Vos soldats deviennent des geôliers et vous êtes affaiblis. Que faire? Réfléchissez. Ne pas occuper, mais détruire. Oui, il faut détruire. Mettre à feu et à sang pour tout détruire. Saper le gouvernement, saper les fondements. Oui, sans... mais supposer qu'ils attaquent par derrière. En ce cas, c'est simple, il faut les prendre de vitesse. Mais vos lignes de ravitaillement... Nous n'en aurons pas besoin puisque nous évacuerons. Réfléchissez. Chaque plan a un point faible, mais trouvez dans le mien. Réfléchissez bien. Mais enfin, Miller, vous avez souvent parlé de victoire et de défaite, mais même le vainqueur sera affaibli d'une bataille. Mais nous livrerons bataille lorsque l'armée du camp viendra et nous répandrons l'annonce de notre victoire. Si nous perdons, vous, enfin vous et moi ne resterons pas dans l'histoire, bien sûr, mais si la Chine est vaincue, alors, à nous sa force, son savoir, ils ont inventé un tube qui crache du feu. Ce n'est encore qu'un jouet, mais je pense qu'on pourra bientôt s'en servir et faire tomber Rome. Rome? Oui. Mais c'est que c'est loin, Rome. L'Angleterre aussi. Que diriez-vous de revoir votre île, jeune étudiant? De la conquérir et de rendre la pareille à ceux qui l'ont conquise. Allons, réfléchissez. Nous pouvons devenir les maîtres du monde. J'ai eu peur. Est-ce que tu es blessé, dis-moi? Non, ça va, je n'ai rien. Je suppose. J'ai tout vu depuis le début. Je crois que ça n'était pas prudent de toucher pareil tube de feu. On aurait cru à la colère divine. C'était peut-être ça. Ils sont en train de tuer hommes, femmes, enfants dans toute la région. Je les ai vus, on dirait qu'ils font la moisson. Coupant les têtes avec une immense faux. C'est vraiment horrible. Ils font ça comme s'ils moissonnaient le blé. Qu'y a-t-il, l'Anglais? Nous avons gagné. Vous n'avez rien de victorieux. Pourquoi? C'est ça, une bataille. C'est fort simple. Tuer l'ennemi. Un soldat ne pense qu'à tuer. Qui veut combattre à mes côtés doit d'abord aimer tuer. Retournez à votre tente et réfléchissez. C'est grave. C'est une décision à prendre. C'est vrai. Mieux vaut aller sous notre tente. Nous avons remporté une victoire. Les hommes ont bien tiré à l'arc. Bayan était content. Nous avons besoin de réfléchir. Allez, viens. Ainsi, c'était vous, l'Anglais. Mais dites-moi, était-ce par curiosité? Ou aviez-vous l'intention de nous faire dévier? C'était mon intention. Pourquoi? Vous savez le châtiment qui vous attend? Pourquoi une telle attitude à mon égard? Que vouliez-vous, au juste?
Faites avancer vers le sud-est pour rattraper la piste. À l'étape de ce soir, vous me l'amènerez. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites la tête, mais ça va. Ils n'essaieront rien cette nuit. Votre miracle va se réaliser. On ira en Angleterre. Vous voyez ce dont il s'agit? Tant que vos pieds sont sur la corde, vous ne risquez rien des piques. Mais les joueurs principaux ont le droit de frapper à leur guise. Bon, allez-y. C'est bon. Laissez-le. Emmenez-le à sa tente. Bravo, jeune homme. Pour un Anglais, c'est bien. Entrez. Eh bien, Miller, dites-moi, suis-je prisonnier ou ne suis-je pas? Terminé, vous voilà quitte, au prix de quelques douleurs. Mais puis-je espérer vous servir, Miller? Votre ami Larcher vous manque déjà? Vous voulez une mission? J'accepte de vous en confier une. Mais récupérez d'abord. Tout de suite, Miller. Pas si vite, jeune homme. Vous avez vu nos visiteurs? Je pense qu'ils espèrent éviter la bataille. Il faut bien sûr gagner Kinsale, mais nous avons bien manœuvré. Pendant votre convalescence, en une bataille, nous avons pris 4 villes. Vous n'avez donc plus besoin de moi? Au contraire. Au gouvernement, certains sont pour la paix, mais n'ont que peu d'influence sur la vieille impératrice. Supposons que vous alliez à Kinsale. Vous pouvez jouer l'étudiant étranger et dire que vous avez été témoin de notre force. Ben oui, mais si l'impératrice ne m'écoute pas? Vous contacterez les pacifistes et gagnerez leur confiance. Vous êtes libre de refuser la mission, laquelle n'est pas sans risque. Non, j'irai, Miller. Entendu. Étudiant, ma foi, ça m'attriste, oui, vous lancer dans une telle aventure. Mais si jamais il vous tue, j'en ferai tuer autant qu'il y a de cheveux sur votre tête. J'espère que je vous reverrai. Si vous échouez, je vous regretterai. Et ce n'est pas mon habitude. Mais puisqu'il en est ainsi, j'essaierai de réussir. Thank you.
Suivez-moi, je vous prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vous attendions, monsieur. Puis-je savoir où je suis? C'est ici le palais de sa souveraine magnificence, de sa glorieuse splendeur, la bien-aimée impératrice de Chine. Mais pourquoi m'a-t-on conduit ici? Je l'ignore. Attendez un moment, je vous prie. A-t-on vu, oui ou non, ces deux beaux oiseaux? Est-il vrai que leur peau est blanche et leur plume noire? Or donc, cette prophétie est-elle fondée ou ne l'est-elle pas? Êtes-vous bon à quelque chose? N'ajoutez plus un mot, vous êtes un abruti. Votre résidence. Nous l'avons préparée pour vous. Triss! Triss! Ah! Ah, Walter! Mais, et Myriam? Je crois qu'ils la retiennent prisonnière. J'ai dû la quitter afin de trouver un bateau. Comment es-tu arrivé ici? Je n'ai pas pu gagner la rivière. Ils m'ont pris et arrêté avant, malheureusement. Walter, ignores-tu où nous sommes? Mais nous sommes dans le palais. J'ai vu tout à l'heure l'impératrice. Mais attends, on va peut-être en savoir plus. Vous vivrez ici désormais. Nous sommes prisonniers. Les chaînes qui vous lient sont dorées, mais elles vous empêcheront de fuir. J'ai quelque chose à dire. Je suis venu jusqu'ici pour parler de paix. J'ai du reste un message pour votre souveraine de la part de... Il est trop tard. Sa grandeur est certaine que ce sont les dieux qui vous ont envoyé. Nous n'avons donc rien à redouter. Acceptez ces présents envoyés des dieux. Je suis chargé de réaliser le moindre de vos désirs. Il suffira que vous m'en fassiez part. Ma foi, il en est un qui me tient particulièrement à cœur. Une jeune fille était avec mon amie quand vous l'avez arrêtée. Si vous savez où elle se trouve, veuillez la faire venir. Je vais sur le champ faire le nécessaire, n'en doutez pas. Sachez que c'est ici la demeure de la merveilleuse Félicité. J'espère qu'elle réservera pareil sort à ses hôtes et que les envoyés sauront bien remplir leur rôle et permettront de faire régner la paix. Je crois que l'autre lui plaira plus. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, je crois qu'il adorera ça. Walter! Walter! Et plus tard, Myriam, allez-vous-en! Mais je dois vous faire voir! Quoi? Oh, c'est d'une beauté, ils sont en soie et sur la jambe, ça fait... Je verrai ça plus tard. Comme vous voulez, mais c'est magnifique. C'est difficile de faire ces ablutions ici. Moi, il a fallu une demi-heure pour convaincre quatre filles de me laisser seule.
fait-il? Je n'en sais rien. Il est parti en disant qu'il voulait voir si les dieux obtenaient réellement satisfaction. Et qu'a-t-il dit d'autre, Triss? Vous a-t-il parlé amicalement? Non, certainement pas. Mais il regrette de s'être fâché avec vous. S'il a quitté subitement Bayan, c'était pour vous rejoindre. Non. Je suis certaine que si. Et il est là aussi. Et maintenant, il acceptera de revenir avec nous en Angleterre. Votre confiance est vraiment incroyable. Oui. Non. Il avait une mission très spéciale pour Bayan. Moi, je ne l'ai pas interrogé sur sa mission. Vous le connaissez. J'évite de le mettre hors de lui. C'est aussi bien. De toute façon, tant qu'on est enfermé, il ne peut rien faire, c'est sûr. Il a découvert quelque chose. Ces ouvrages-là. Ça l'a passionné. Ses œuvres, d'après lui, ne sont pas manuscrites ni sur parchemin. Il m'a parlé de livres rédigés sur bois en marquant des feuilles à l'aide de ça. J'ai rien compris, au juste. Il a dit qu'il y a un homme en Angleterre qui serait prêt à donner sa vie pour savoir ça. Il était vraiment passionné. Il ne se rend peut-être pas compte. Et la nuit dernière... Tu devrais être ravi, monsieur Larcher, d'être assis parmi des siècles d'histoire. Une autre découverte encore? Tu sais, j'avais raison. Oui, j'ai pensé que ces ouvrages devaient traiter de questions scientifiques, de toutes sortes d'inventions. Eh bien, c'est le cas. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est, selon toi? Ce sac contient une poudre qui disparaît en produisant un éclair. Ils font ça dans des sortes de tubes. Et si... Attends, je vais te montrer. Regarde. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Bayan avait vu juste. Ils sont en avance sur nous, tu vois? Et ils préféreraient ça à tous les joyaux de la Chine. Tu sais ce que tu entends, là? Les Chinois l'ignorent, mais grâce à ça, crouleront les murs de Rome et d'autres également. Nos envoyés des dieux savent sans doute la nouvelle que nous venons de recevoir. Non, laquelle? Les armées de Bayan ont pris 4 villes et elles les occupent. Celles qui résistaient n'existent plus. Ces soldats vont arriver devant nos murs. Que n'êtes-vous intervenu déjà? Mais vous êtes dans l'erreur. Jamais je n'ai dit être envoyé des dieux. Moi, je ne l'ai pas cru. Mais ma position est des plus inconfortables. Parce que s'il vous arrive quelque chose, c'est moi qui paierai, car je suis tenu pour responsable de vos vies. Mais je serai parmi les premiers que le général Bayan fera tuer si la ville résiste. Donc, je préfère choisir de deux mots le deuxième, qui évitera à la ville de se voir détruite. Ainsi, si je vous ai bien compris, l'essentiel est de montrer que nous ne sommes pas des dieux et de le prouver à l'impératrice, puisque nous ne sommes plus que de simples mortels, c'est ça? C'est possible. Si vous pensez avoir une idée meilleure, vous m'en verrez ravi, messieurs. Walter? Qu'est-ce qui se passe? J'ai à vous parler. Je ne peux pas dormir. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Oh, il sera temps demain. Non. Je ne sais pas si je vais réussir à le dire, mais si je pense trop, je ne le dirai pas. C'est horriblement difficile à dire. Je suis... Alors? Qu'y a-t-il? Si le ministre avait raison, si vraiment vous savez que c'est ainsi que nous allons mourir, alors... Oui, continuez. Je sais que vous ne m'aimez pas.
Mais si c'est vrai que nous allons être tués, il sera impossible que vous en aimiez une autre. Oui, ça me semble logique. Mais alors, je me suis dit, puisque vous n'en aimerez pas d'autres et que nous n'avons plus guère de temps avant de mourir, vous pourriez peut-être, pour me faire plaisir, faire semblant que ce soit comme dans le miracle. Ça me ferait tellement plaisir. Il suffirait de faire semblant, bien sûr, mais si vous acceptez de faire semblant, même un peu, ça pourrait aussi devenir vrai, non? Non? Tu es si étrange. Mais, puisque c'est ici la demeure de toutes les félicités, ça me ferait plaisir de pouvoir faire enfin de... ou même seulement ce soir, enfin ce serait le reste du miracle. Dites-moi oui. Myriam. Qu'est-ce qu'il y a? Réveillez-vous, Triss. Je crois qu'il m'aime. Ah, c'est ça. Vous pourriez pas le découvrir à une autre heure et me laisser dormir. Myriam. Oui. Myriam. Où étais-tu passée? Vous savez coudre? Oui, je sais. Bon, alors vous prenez ces manteaux et vous cousez vite dans la doublure ce tas de bijoux, là, hein? Aussi vite que possible. Hein? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de partir? Oui, j'espère. Oui, je me suis dit que le ministre s'était montré ambigu. J'ai donc fait une inspection. Une porte énorme était auparavant verrouillée. Et là, elle s'ouvre. Je la passe, j'avance. Il y a un passage conduisant à la rivière, je le suis. Il faudra agir vite, hein, car il y a beaucoup de gens qui descendent cette rivière. Ah, je suis inquiet. Pourquoi est-ce que c'est si facile? Cela cache quelque chose. J'ai essayé de raisonner comme lui. En aidant notre fuite, il raisonne bien. Si nous sommes tués en tentant de fuir, c'est que nous ne sommes pas vraiment des divinités. Il lui sera aisé de convaincre l'impératrice que nous avons regagné notre céleste paradis. Et il peut même peut-être sauver sa ville et sa peau. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je pense qu'il ne nous laisse pas grand choix. Mais attendons la nuit, nous serons plus tranquilles à la rivière. Allez, dépêchez-vous. Bon. Bon, il fait nuit, nous allons pouvoir agir. Alors, ça y est? Oui, presque. Vite, Myriam, vite. Oui, Walter. Je suis désolé, Myriam, mais je crois que j'ai eu tort de m'emporter. Pardonnez-moi. Oh, mais voyons, c'est rien, Walter. Bon. Faites vite, hein? Oui. Ça, c'est la tienne, Triss. Si ça marche, tu deviendras un homme riche avec ça. Est-ce que tu te rends compte? Oh, bien sûr, ça revient de droit au général Bayan. C'est lui, le vainqueur. Mais il en a bien assez. Walter. Quoi? Écoute, j'y réfléchis. Ça, mon cher, tu as tort, c'est source d'ennui. Non, non, il faut que je te dise. Qu'allons-nous faire? Je veux dire, une fois qu'on aura passé de l'autre côté de la rivière... L'important, c'est qu'on y parvienne. Le reste... Non, mais je veux te dire... Écoute, je suis pas bête au point que tu crois. J'ai l'impression que j'ai compris. J'ai compris que tu avais bien observé toutes leurs inventions. Tous ces trucs... Toutes ces choses scientifiques. Mais parce qu'au fond, ce serait très important de pouvoir utiliser ça chez nous. Enfin, ces découvertes. Mais moi, j'aimerais bien aussi... Enfin, j'aimerais mieux que tu ramènes Myriam. Ça vaut mieux que ce soit toi. À mon avis, tu comprends? Bayan avait raison, il avait juste. Tu es un poète, mon ami, assurément. Mais là où il n'avait pas raison, c'est quand il disait « je crois seulement ce que je touche ». Il ignorait que toi, tu sens l'herbe anglaise, l'odeur des arbres, des fleurs, n'est-ce pas, poète? Ah non, personne ne le dit mieux que toi. Et moi, j'aimerais avoir ta sensibilité. Finalement, moi, je suis triste. Parce que Bayan est plus le genre qui me convient, mais ça, je le déplore. Je suis sincère, tu sais. Si j'avais pensé c'est fini, peut-être aurais-je triché.
Mais puisque j'espère encore, alors j'ai tenu à être franc avec toi. J'aimerais autant qu'on se dise adieu, tous les deux. Mais sans rancune, sans colère non plus. Félicité, peut-être, cette demeure mérite-t-elle son nom? J'espère que tu vas échouer. Que jamais nous ne pourrons atteindre la rivière. Walter, ça y est, j'ai fini. On n'y arrivera pas. C'était un piège. Fallait s'y attendre. Ce n'est rien à côté des murs de Rome. Mais pourquoi ne pas demander à Bayan de les faire tomber pour toi? Les voilà. Tâche de gagner un peu de temps. Je vais les retenir. Mais moi, j'essaie autre chose. Quoi? Les murs de Rome. Laisse-le-moi, tu ne sais pas. Occupe-toi plutôt d'elle. Cliff! Cliff! Tu es blessé, hein? Conduis-la jusqu'au bateau. Non, appuie-toi sur moi, nous allons... Pas, oh héros. Comment les repousseras-tu? En leur jetant un diamant, tu crois? Conduis-la plutôt au bateau. J'espérais ne pas atteindre la rivière. Ça tombe bien, si elle venait. Mais arrête de dire des bêtises. Nous devons repartir en Angleterre, tu t'en souviens? Allez, remue-toi, ne reste pas sans réagir. Viens, appuie-toi sur moi. Laisse-moi ça, c'est à moi. Va faire crouler les murs de Rome avec Bayan, laisse-moi. Regarde-toi. Tu n'es pas tellement fait pour la guerre, toi non plus. Et moi, je ne sais plus. Tout ça, les murs de Rome.
le miracle et l'herbe. Oh, elle était si verte. Mais enfin, qu'est-ce que tu as, Triss? Réponds, qu'est-ce que tu as? Dis. Pas ça, non, non, ne meurs pas. Triss, réponds. Triss. Ah non, pas ça. Pas ça. Triss. Non, mais c'est que cette entrée ne sert pas. Si vous vendez quelque chose... Non, Will, ai-je donc tant changé? Oh, mon Dieu, je rêve. Mais c'est... C'est Messire Walter. Oh, quel plaisir d'être ici. Entrez, entrez. Entrez, Messire Walter. Bien, tout a l'air calme. Alors, je poserai ma question classique. Comment va grand-père? Il ne vous en dira rien, mais il se languissait de vous. Dès que nous avons pu espérer vous revoir, le roi nous a fait envoyer des hommes. Certains vraiment très étranges, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient un message pour vous. Quel message? Je l'ignore, messire Walter. Ils ont dit qu'ils ne le remettraient qu'à vous seul à votre retour. Je vais le prévenir. Je vous jure, Milord, il est là. Walter, mon garçon. Grand-père. Ah, dis-moi, d'où viens-tu? Moi, j'étais... Walter Kane, dites à mon petit-fils. J'ai parlé mais à mon... Milord... Et vous ne m'avez pas arrêté. Non, mais Milord... C'est tout ce que ça vous fait. J'ai manqué à mon serment, c'est affreux. Walter Kane, dites à mon grand-père que c'est moi le dites coupable. Dites à mon petit-fils que... Oh, mais à quoi bon, ma foi, maintenant, tant pis, ce qui est fait. Mon Dieu, pourvu que l'évêque puisse, Milord. Ben, l'évêque, je n'ai pas besoin de l'évêque. Je saurai bien seul faire pénitence. Bon, je verrai plus tard, Walter Kane. Oui, Milord. Donc, ainsi je suis libre de parler à Walter. Laissez-nous. Allez vaquer à vos occupations. Oui, Milord. Oui, oui, Milord. Et aussi, un cadran avec une aiguille permettant de se diriger. J'en ai pris, afin de les remettre au roi. Et étant donné qu'il faudra expliquer tout cela, j'ai prévenu que je reviendrai. Car je tenais à être ici, en personne. Mais j'aurais voulu en faire davantage pour aider nos gens. Mais là-dessus, je n'ai rien découvert de très important. J'ai vu la Chine, oui, mais pour vous, malgré ma quête, je n'ai pas trouvé de solution pour Gurney. Et je me demande... Finalement, si Triss était restée ici, parcourant votre forêt, braconnant parfois le cerf royal... Moi, j'aurais dû résoudre les questions que tu poses. Ah, oh, moi, je suis vieux. Mais si j'avais ton âge... Milord, ils sont ici! Les hommes d'armes du roi, ils demandent Messire Walter. Eh bien, faites-les venir, faites-les venir! Et oui, nous sommes prêts. Il est un homme à Oxford qui, mieux que moi, saurait vous dire l'importance de ces livres et le secret de leur fabrication, frère Bacon. Quant au reste, je pense possible d'utiliser la petite aiguille pour parcourir les mers sans perdre sa direction. Enfin, je le crois. Quoi qu'il en soit, tout est expliqué dans les livres. Il sera facile à vos scientifiques de les déchiffrer.
J'avoue être sceptique quant au tube qui envoie du feu. Je crois que ce jeune homme m'a vu un dragon. Peut-être, monsieur. Vous avez beaucoup parlé et fort bien, jeune Saxon. Toutefois, un point important demeure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Sauf la raison de votre départ. Je me rappelle votre colère. Vous avez refusé de me servir avec violence, je n'ai pas oublié. Je me souviens également que je vous ai interrogé à propos de la haine entre Saxons et Normands. Je pense en fait que votre réponse est ici, de par votre présence. Au fond, c'était nous servir d'une façon différente. Non, ce n'était pas pour vous, sire. Pour qui, alors? Pour cet homme. Triss. Il voulait que je le fasse. Enfin, je crois. L'archer? Oui, sire. Pourquoi le voulait-il? Je l'ignore. J'avais cette impression, mais je ne saurais pas l'expliquer. Bayan disait que selon lui, il n'existe seulement que ce qu'on touche. Mais c'était pour cet homme. Pour lui, vraiment, c'était une lumineuse évidence. Il était là, assis, et c'était comme un parfum de son pays. Seulement, il est mort, hélas. Serait-ce qu'il avait découvert qu'il était d'abord anglais avant d'être saxon? Ça, je n'en sais rien. Les Saxons ont souvent ce genre de réaction. Mais ils peuvent servir un roi qui est d'abord anglais et se trouve être normand ensuite. J'ai décidé de prendre certaines dispositions en ce qui vous concerne. Il me semble qu'il était question de votre patronyme, entre autres. Or, je peux y remédier. Attendez mon retour. Agenouille-toi, Walter de Gurney. Lève-toi, Sir Walter Fitzroy. Par notre volonté, un arc désormais doit faire partie de tes armoiries. Nous te faisons chevalier du royaume. Que tes armoiries portent en priorité un arc parmi les autres emblèmes de Gurney. Puissent mes sujets avoir à cœur de vivre et servir aussi bien l'Angleterre que ne le fit Tristram Griffin. À toi de disposer de cette médaille, laquelle récompensera un homme brave. Nous avons été chargés de venir jusqu'ici pour parler à celui que le général Bayan nommait l'étudiant. Bayan? Si vous êtes cet homme, je vous remets de sa part une lettre. À mon ami, Walter l'étudiant. Bayan, qui voit tout, vous adresse cet amical message. Je conçois que vous ayez choisi de me quitter et de retourner à votre Angleterre. Je ne croirai jamais à vos sornettes de chevalerie. Mais j'aime les hommes capables de mourir pour leurs idées, d'où qu'ils viennent. L'archer a été de cela. Et je sais que tous deux vous seriez morts pour moi au besoin. Aussi ai-je tenu à vous envoyer ce que vous auriez souhaité emporter. Elle portera un manteau que vous connaissez et dont la doublure est intéressante. Je vous donne aussi mon échiquier. Et je tiens à ajouter que vous me manquez. Myriam. Mais elle ne sera autorisée à venir que si tel est votre bon plaisir. Milord avait peur que vous n'en vouliez plus. Myriam.